À la veille de son trentenaire, le Salon d'automne international de Lunéville 2010 présente une nouvelle fois une exposition riche de diversité, de renouvellement et de qualité. Cette année, c'est le peintre de renom Michel Sonnenzeff qui est l'invité d'honneur. Sa palette sensible et subtile nous conduit dans un univers poétique, secret et très personnel où les objets, les paysages et les personnages échappent au temps. Bonsoir à tous. Écoutez, je tenais à vous remercier, messieurs et madame, de votre présence. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est très agréable. Et sûr que vous n'oublierez pas de remercier monsieur l'abbé, que j'ai dérangé plusieurs fois au téléphone et en chercher mes toiles en Normandie. C'est quelque chose, mais vraiment un grand, grand merci. Et surtout, gardez-le précieusement. Merci beaucoup. Je vais vous parler de ma peinture. Et visible, c'est de la peinture à l'huile sur toile de lin. Merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom des Lunévillois que je représente ce soir dans cette salle Erckmann pour le 29e Salon international, et j'insiste et j'y reviendrai, des peintres lunévillois. Je crois que ce salon est, nous venons de le constater tous ensemble, particulièrement bien monté, bien installé, et l'association que vous présidez, monsieur l'abbé, mérite incontestablement, dès immédiatement, vos applaudissements, tant la qualité du travail fourni est remarquable. Je suis honoré d'être parmi vous ce soir et merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. Je suis également très honoré que vous m'ayez sollicité pour le patronage de cette exposition. Le Salon d'automne, c'est un événement extraordinaire en Lorraine et pour la Lorraine. Mais sa renommée s'étend aussi sur les régions voisines, comme par exemple l'Allemagne et notamment la Sarre. Oui.